Restez au sec devant votre programme avec Soutumier, couvreur de toiture. Les 12 et 13 mai derniers a eu lieu la 9e édition du festival Culturissimo. Cet événement, organisé par l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essens, a accueilli Marie-Aude Muraille, autrice, et Michel Vermoz, acteur et comédien. Le vendredi soir, au théâtre municipal de Sens, le comédien a lu un extrait de l'ouvrage Le Grand Monde de Pierre Lemaître. C'est pas la première année pour moi pour le festival, non, ça doit être mon 7e ou 8e festival. Oui. Je suis un fidèle et le festival m'est fidèle. Donc je retrouve chaque année dans cette période-là, mai-juin, quand je ne suis pas occupé par le théâtre ou tournage, je viens avec grand plaisir. Mais je suis assez rompu à l'exercice, je lis très souvent ou j'enregistre. Donc c'est un exercice que je fais très régulièrement. Après ce choix du texte, bon, c'est Culturissimo qui me l'a proposé. Il se trouve que je connais un peu Pierre Lemaître, que j'avais été dans Au revoir là-haut, le film réalisé par Albert, l'adaptation de son roman, que j'ai lu pas mal de ses romans d'avant Au revoir là-haut, même jusqu'aux couleurs de l'incendie. Au bout d'une heure, à tituber dans l'humidité, à heurter les racines. Un peu à la suite de Au revoir là-haut. Et donc, j'étais pas en terrain inconnu. J'aime bien l'écriture de Pierre, qui est très agréable à lire, donc très agréable à dire aussi. Et quant au travail, c'est un travail très classique de le lire, enfin voilà, pour savoir un peu de quoi ça parle, pas de se faire avoir par ce qui va arriver, d'essayer de donner quelques petites couleurs à des personnages quand il s'agit de dialogue, mais pas trop non plus, pas trop les marquer. Voilà, c'est un travail, de le lire 3-4 fois. Souvent, même sur scène, quand on est comédien, il faut arriver à faire passer des émotions, des sentiments en étant fixe, en tout cas sans bouger ou bouger intérieurement. Donc, je n'ai pas de difficulté avec ça. L'arbre avait soudain basculé en travers de la route devant le camion de tête. Dès que les véhicules s'étaient arrêtés, les tirs étaient venus de partout à la fois. C'était comme si la forêt tirait sur vous, que chaque branche était un canon de fusil. En quelques secondes, les mitrailleuses françaises ripostaient en arrosant les abords. D'un grand coup de volant sur la gauche, Raymond avait fait... Que la salle ne soit pas dans le noir, je trouve ça plus convivial aussi qu'il y ait un petit peu les spectateurs dans... Avait-il écrit. La ponctualité avec laquelle Raymond écrivait faisait rire autour de lui. Les copains se foutent de moi. C'est une lecture, donc ça reste un exercice où on doit se sentir que... Voilà, je vous mets pas dans le noir, je ne vous présente pas un spectacle. On est ensemble. Ouais, je vais essayer de vous faire entendre une œuvre, enfin en tout cas un extrait de l'œuvre de Pierre Lemaître. Je vais essayer. Au début, oui, on a fait des sales histoires ensemble, on a fait des spectacles ensemble. Un camarade qui sonnait à la porte tournait son képi blanc entre ses mains et annonçait la mort de Raymond. La silhouette un peu floue de cet homme, dont Étienne... Moi, j'avais mis en scène dans ses premiers spectacles, dans ses one-man shows. Après, j'étais dans Bernie, on a fait Le Créateur ensemble, dans Au revoir là-haut. Mais on ne se parle pas plus que ça non plus. De temps en temps, on s'envoie un petit texto, un petit message, mais il travaille beaucoup sur ses films. Il travaille énormément. Ouais, j'ai eu un coup de téléphone un jour. On m'a dit que j'étais... Je ne suis pas pour les honneurs, vous savez, j'aime pas trop les médailles, mais bon, je n'ai même pas eu à dire oui ou non. Enfin, c'est comme ça, j'ai appris que j'étais... Bon, j'ai demandé s'il y avait un chèque avec, mais il n'y a pas d'argent. Hein, on peut acheter un petit truc bleu, un petit rosette bleu, comme quoi on est officier des arts et des lettres. Ça n'a pas changé ma vie, hein, je ne vous cache pas. Non, encore une fois, je ne suis pas du tout pour les honneurs. Non, j'ai été nominé au Molière plein de fois, nominé au César, mais maintenant, je ne veux plus y aller. Je ne vous cache pas, je ne veux plus y aller. Je l'ai fait, c'était super, mais ça ne m'intéresse plus trop. Je me sens mal à l'aise dans un climat un peu de compétition. Je n'aime pas la compétition trop. Il faut primer un comédien ou une comédienne parmi tant d'autres. J'ai du mal avec ça. Donc vous ne me reverrez plus au Molière ou au César. J'ai toujours refusé maintenant d'y aller. J'y vais plus d'ailleurs. Oh, c'est toujours la même, hein.
C'est toujours un réalisateur ou une réalisatrice passionnée qui essaye de défendre son projet, de le monter. Ordinairement, les guet-apens tendus sur le chemin d'une colonne avaient pour but de capturer un minuscule morceau de l'armée coloniale, mais cette fois, c'était autre chose. Il ne servirait pas de rançon contre quelques milliers de piastres ou des armes américaines. Un repère de communistes... Je vois pas vraiment de changement. Y a plus de femmes qui réalise, et tant mieux. Le cinéma est dans une économie plus difficile qu'il y a 10 ans. Le Covid est passé par là. C'est difficile de faire revenir les gens dans les salles. Et puis maintenant, avec toutes les propositions de séries qu'on peut regarder tranquillement sur l'ordinateur ou sur son iPhone, c'est une rude concurrence. Après, je pense qu'il y a des salles qui sont pleines. Il ne faut pas que ces salles soient réservées simplement à des blockbusters américains ou français. J'espère qu'il y aura encore une place pour un cinéma peut-être un petit peu plus exigeant, un peu plus difficile, 10 cinémas d'auteur. J'espère qu'il y aura toujours de la place pour ce cinéma-là. Mais je vois pas, depuis que j'ai commencé, une grande différence, une grande évolution. Alors on peut dire que si, peut-être les temps de tournage sont plus courts, il y a moins d'argent, ça va un peu plus vite, mais il faut faire le film un peu plus vite. Ça suit le rythme de la société, où ça va de plus en plus vite aussi. Donc le cinéma est victime aussi de cette accélération. Et quand par miracle, on tombait enfin dessus, tout le monde avait fichu le camp. On trouvait des souterrains vides, des cabanes désertées. On savait que les vieilles salons... Mais fondamentalement, je retrouve les mêmes passions chez ceux qui sont derrière la caméra. Non, rarement. J'ai été invité pour faire des masterclass, des rencontres. Ça, je fais régulièrement, mais non, de temps de pédagogie, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. C'est un gros investissement. On m'avait proposé d'être prof au conservatoire, mais il y a longtemps, mais j'avais dit non, en fin de compte, parce que c'est un vrai boulot. J'ai fait ici une année chez Florent. A et B. Il se plantait devant le prisonnier, le fixait et disait laconiquement. J'ai donné des cours pendant un an, c'était chouette. Alors, on m'avait reproposé de continuer une année supplémentaire, puis j'ai dit non, parce que j'avais l'impression de me répéter. J'aurais eu l'impression de recommencer, de répéter. Peut-être comme un prof, d'ailleurs, en classe. Alors un prof va dire, mais non, c'est tout à fait différent, puisque les élèves sont différents, donc c'est différent. Et ça, je veux bien l'admettre, mais le programme est le même, quand même. Donc, j'aime bien rencontrer des jeunes comédiens, ou moins jeunes, leur parler, s'ils ont des questions à poser, d'ailleurs. Pas leur donner des conseils, mais leur livrer une expérience, comme ça. Une expérience, en tout cas. Oui, on va dire une expérience, de la scène et de la caméra. C'est très, très agréable, c'est très luxueux comme maison. Enfin, les conditions de travail sont très luxueuses, très très agréables. Donc je le vis forcément très bien. On s'entend bien, c'est une troupe, donc on travaille vite. Il calculait. Les camarades qui les cherchaient devaient faire parler tous les Viettes qu'ils connaissaient, tous ceux qu'ils croisaient. Ils obtiendraient bien un renseignement et de fil en aiguille, ce n'était pas possible qu'ils ne les trouvent pas. Ils avaient marché moins d'une journée après avoir été capturés. Ils n'étaient tout de même pas si loin. Oui, c'est ça, ça va vite, on se connaît tous. Mais bon, moi, je ne vais peut-être pas rester à la Comédie Française non plus. À un moment, j'aurai envie de partir. Si, je peux. Je peux décider de partir à des dates anniversaires d'engagement. Je vais peut-être partir, avoir envie d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres comédiens, d'aller dans d'autres théâtres, d'autres expériences, de mettre en scène aussi ailleurs. Pour l'instant, c'est formidable, mais bon. La mise en scène compte beaucoup pour vous? Oui, je vais remettre en scène l'année prochaine d'ailleurs. Donc j'ai commencé par la mise en scène, je suis venu acteur. Je dirais pas par hasard, mais c'est un court métrage, je crois. Un court métrage, et puis après j'ai fait de la mise en scène au théâtre, pas mal, et j'ai toujours envie, j'ai envie de revenir à ça, à la mise en scène, mais je pense que la mise en scène ou en étant acteur aussi, mettre en scène et être acteur aussi, voilà. Ça, j'ai envie de ça, ouais, vraiment. Où est-ce qu'on retrouve Michel Yarmouz au cinéma bientôt ou au théâtre peut-être? Au théâtre, c'est l'année prochaine, au Français, dans une reprise d'Angels in America qu'avait monté Arnaud Desplechin.
une pièce de Kouchner qu'on avait déjà jouée, qui s'est interrompue brutalement le 15 mars 2020, arrêt brutal de toute activité dans le monde un peu. Et au cinéma, bah, des films qui vont sortir, je ne sais pas quand. Voilà, je vais tourner des choses, donc maintenant ça sortira un jour, je pense. Ouais, ça, voilà. Et la télé aussi. Et la télé, bah, y a eu cette série OVNI pour Canal, les deux saisons. Il n'y aura pas de troisième saison. On a fait deux saisons, donc il y a eu ça. Il y a eu Nona et ses filles aussi, une série pour Arte, qui est passée, qu'avait réalisé Valérie Donzelli, avec Miu Miu. Enfin voilà, des choses à droite à gauche. Pas mal, et puis des lectures, pas mal de choses différentes. Mais en même temps, c'est du jeu. Simplement, merci. Merci de votre écoute, parce que c'était très agréable pour moi. Ça me donnait presque même le trac. Il fallait que je sois vraiment très vigilant tout le temps, parce que je vous sentais très à l'écoute. Et quand un acteur sent le public à l'écoute, eh ben, il doit être au mieux. Voilà, donc merci. Merci beaucoup.